À tourment, hein? À partir du moment où je vous ai dit que vos amis étaient détenus là-bas, je savais que vous reviendriez me voir. Comme j'avais anticipé votre demande, figurez-vous que j'ai fait l'acquisition d'un objet capable de générer un portail menant dans la tour. Je vous épargne la litanie habituelle de mise en garde. Votre mélange si subtil de courage et d'inconscience les rend parfaitement inutiles. Ne me demandez pas d'où il vient. Voyez juste ça comme un témoignage de bonne volonté qui fait de vous mon obligé. Je me réjouis de faire affaire avec vous. Ah, cher partenaire, voyons combien de temps vous tiendrez. Je n'ose m'aventurer dans cette maudite tour en personne. Je ne peux pas vous dire où exactement se trouve votre compagnon, mais je vous offre un cadeau pour vous aider. Utilisez-le dans Tourment. Il vous conduira auprès de votre allié disparu, Bane Sabot de Sang, si mes souvenirs sont exacts, à moins que vous ne vous retrouviez PG dans votre, à votre tour pour l'éternité dans le dédale changeant de tourment. Mais que voulez-vous, c'est un risque à prendre. Bonne chance. Entrez dans Tourment et cherchez Bane. N'allez pas attirer l'œil du geôlier. On va d'abord aller secourir les âmes. Non, c'est Oui, c'est si. Normalement, c'est ça. Chaque fois que j'oublie, je peux pas utiliser mes montures ici. Du coup. Prison pierre.
D'accord, ça n'a pas secouru l'âme que je... que j'espérais. Bon, c'est pas grave. On va faire comment on... Mais c'est bizarre comme truc parce que normalement... Chaque fois. Normalement, si je dis pas de bêtises par là. Ah, attendez, c'est peut-être plus loin. Non, non, c'était là. C'était là. Normalement, j'avais un. Bon, c'est pas grave. Oui, là, ici, là. J'avais un. J'avais une cage ici. Bah, apparemment, elle a disparu. C'est bizarre, là je suis en plein dans le cercle là. Autour des âmes perdues. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok. Bon bah c'est tourment, bah excusez-moi, d'accord, ok. Bah let's go, hein. Alors... Il n'y a rien qui intéresse. J'ai rien d'intéressant. On va prendre ça. On va prendre ça, mais en soi...
Ah, il tape beaucoup plus fort, hein. Première nouvelle, il y a de l'eau en enfer. Ah, je connais ce genre de truc. Non, allez, pointe-toi. C'est parce qu'il est dans l'eau que... ça attire les rats. Il y a ça aussi dans un donjon en Outre-Terre. Si on est dans l'eau, c'est un vote des piranhas. C'est dans le réservoir encore de Glass Rock. J'utilise pas les arcanes. C'est mes dégâts, c'est du type ombre. L'écho des péchés d'orgueil plane entre ces murs. Un moissonneur a besoin d'aide. Ah merde. Vous feriez une enveloppe convenable, merci à vous. C'est mon épée de guerre que je cherche. Elle n'est pas loin, je le sens. Oula, j'ai été un peu gourmand,
Ouf. Allez, hop. Carnet de corruption, c'est bien, mais je m'en sers rarement. Oula. Ça y est, chiante. Non, celle-là, elle est bien. Très de longue, plus 50%. Thank you.
Ok. Je pensais que c'était lui qu'il fallait. Du coup, bah, je sais pas où aller là. Ah, bah là-bas, tout bêtement. Ah, ça veut dire qu'on est à la fin déjà? On est déjà à la fin, ok. Ouais, et puis je peux choisir qu'un seul avec l'argent que j'ai. J'hésite entre soit plus 15% de points de vie, soit dégâts traits de l'ombre. Allez, je vais prendre dégâts traits de l'ombre. Hop. De toute façon, j'ai rien d'autre, hein. Capsule d'aveuglement. Non, ça a utilisé. Ça, c'est une potion. Non, je peux rien prendre d'autre. Ok, et ce que je vais faire, c'est me mettre une pierre d'ombre, une pierre d'âme, au cas où. Des péchés d'orgueil planent entre ces murs. Un moissonneur a besoin d'aide.
pensais que c'était le dernier niveau, mais en fait, bah non. Pas vu lui. Mon démon, il est craqué. Hein. Il est cheaté de chez cheaté. Hein. Faites-vous vos 30 minutes de rituel par jour. Alors, si vous êtes... ok. Maximum de points de vie de 15%. Vos attaques ont une grande chance de déclencher mortalité brutale. Ce qui inflige 6000 points de dégâts d'ombre en 12 secondes et réduit la vitesse de déplacement de la cible de 50%. Ouais. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal. Il est bien ce donjon, moi j'aime bien. Hein. Allez, niveau 5. J'aimerais bien repasser sur un vendeur. Putain, mon marcheur il est vraiment pété là par contre. J'ai vu les barres de vie descendre à une vitesse... C'est débile.
C'est débile, mais c'est ce que j'aime. Wow. Ok. J'ai saisi le concept. Je sais pas pourquoi j'ai pas vraiment pu le cibler lui. C'est que j'ai de la chance en plus parce que je les ai pas vus. Hein. Oh, cette énigme. OK. Donc le premier, ça doit être un N.
Le deuxième, ça doit être ce symbole-là. Mais ok, mais je change à chaque fois. Du coup. Oh bordel, ok, à chaque fois. Alors lui, il change le suivant. Et eux, ils changent à chaque fois le précédent. Du coup, lui, il est bon. Lui, c'est un K. N. Ok. Putain, alors ça c'est violent. Les deux sont violents, mais ça c'est. Ça c'est ouf. Ça c'est. Ouais. Du coup, ok. Ah, ok, d'accord. Ok. Super. Alors. Tout est négociable. Allez, c'est pas tous la même chose. Du coup. Ça, en vrai, je kifferais. Hein. Mais les dégâts infligés 30%. Valence, tac tac. Non. Là, il a rien d'intéressant en vrai lui. Enfin il a pas. Il y a ça qui serait bien, limite. Ou alors. Non, on va prendre ça. Hein. On va prendre ça. C'est si jamais mon marcheur se fait défoncer, au moins je peux le réinvoquer instantanément. Je vais prendre ça. Je peux encore prendre un truc.
Ben non, on va économiser. Votre soutien est toujours apprécié. Il est possible qu'il me reste que 4 niveaux. À mon avis, ça va s'arrêter niveau 10, cette histoire. Ou pas. Je me réveille dans cet endroit de malheur. Ah, je vous ai vu réussir à vous échapper avant qu'ils nous reprennent. Sauriez-vous comment sortir de l'antre ? Un jeu d'enfant. Par contre, j'ai pas réussi à secourir les âmes là. Et ça qui m'ennuie, c'est que là, secourir les âmes dans l'antre, que dalle quoi. Attendez. C'est moi ou... Ah non, c'est autre chose, ça, encore. Je peux avoir quoi avec ça? Attendez. Ah d'accord, ok. Du coup... En fait, il y a plusieurs. Ouais, ok, d'accord. Il y a plusieurs points d'entrée. C'est la même chose ou pas? Salle de Scoldus. Ok. Faudra voir, peut-être que je verrai. Je verrai peut-être. De toute façon, vu que j'ai une quête ici, en soi, je peux revenir quand je veux. Ce qui est pas plus mal quelque part. D'accord, et c'est à ça que sert à mon avis les fameuses braises. Ok. Bon. En vrai, ce donjon, je l'aime bien, moi.
Je suis embêté, c'est pour les 5 âmes que je dois libérer, je suis coincé. Bon, c'est pas grave, on va déjà libérer Bane, on va continuer cette quête. Parce qu'après 6, ça a l'air d'être de faire partie de la campagne, quoi, c'est ça qui est con. Bon, on verra un petit peu ce que ça dit. C'est la pierre d'accès. J'espère qu'être avec vous me permettra de passer. Je reste près de vous. Puisse la terre-mère nous mener à bon port. Je suis désolé, je baille un coup. Eh ben. Quelles sont les nouvelles? Bane est sain et sauf, mais certains de nos autres alliés sont toujours prisonniers du geôlier et sont en grand danger. L'agent Spore de Tourment évolue en permanence selon la volonté de son maître. Nous ne pouvons espérer les retrouver par des méthodes conventionnelles. Pour l'heure, rendez-vous dans les quartiers de détention et voyez quelles informations vous pouvez y trouver. Cherchez le moindre indice pouvant nous mener à nos compagnons disparus et rapprochez-moi et rapportez-moi vos découvertes. Explorez Tourment à la recherche d'indices menant aux alliés. On y retourne. Et on récupère des cendres d'âme. C'est con, ça. Il faut restaurer l'équilibre. Ça m'offre une cape presque équivalente à ma cape JCJ. Hop, et on replonge. Enchaîner son rat, permettez que je me présente, Jardine, responsable de la gestion des risques. C'est toujours un plaisir. Comment puis-je vous aider? Je vous suis redevable de partager notre expérience dans l'antre. La première question est-il ainsi? Oh putain. En ce royaume, les perspectives sont infinies. Bon, ok. Il y a juste quelques questions. Que vous dites-il, je fais parmi les cauchemardesques de l'encre. Oh, putain. La meilleure des fortunes. Ça va être chiant. Non. Dites-moi ce qu'il vous faut. Revenez vite me voir, je vous en prie. C'était une sorte de journaliste, elle. Elle posait des questions, et voilà quoi. Bon, on verra bien. J'ai tout le temps du cosmos. Vous, non.
Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sans entrave ? Tous les mystères seront révélés. Le cartel veut s'intéresser à moi, vous m'en voyez flatter, mais je compte sur vous pour ne rien le révéler à mon sujet, jamais. Allons, venez, le travail nous appelle. Ne revenez que si vous le devez vraiment. Interrompre le cycle. Les entraves... Bon, ça c'est une quête journalière, intéresser 4 entraveurs, 6 fins tireurs, bon voilà, on a... Ça c'est de la quête journalière, je les prends, je les ferai hors caméra. Voilà, mais je les prends. Personne ne vous a suivi, j'espère. Tous les mystères seront révélés. Alors, la règle numéro 4. J'ai appris qu'un inquisiteur du geôlier cherchait à mettre au point une méthode permettant de suivre mes déplacements à la trace. Inutile de vous préciser que cela risque de poser de sérieux problèmes pour moi comme pour vous. Cet inquisiteur est désormais au sommet de ma liste de dangers potentiels. Autrefois, je m'en serais occupé moi-même, mais maintenant que j'ai un associé, chargez-vous-en, voulez-vous, et si vous le pouvez, découvrez... quelle méthode il comptait utiliser pour me pister.